nous sommes d'abord tellement immensément soulagés. D'une manière ou d'une autre, ce soir, il nous est permis quelque chose dont nous finissions par douter, il faut bien le dire, c'est d'aimer notre pays. Des prérogatives, mais elle les donne aussi au Premier ministre. Donc il va falloir que les deux s'entendent pour, par exemple, reconnaître le plus vite possible l'État de Palestine. Je vous remercie, monsieur le député.